Le concert du chanteur Bilal Hassani est prévu le mercredi soir 5 avril. Le chanteur, qui a représenté la France à l'Eurovision en 2019, poursuit sa carrière et se produit en France. Son concert doit avoir lieu en l'église Saint-Pierre aux Nonains de Metz, lieu profané ouvert au spectacle. Mais le collectif catholique lorrain y voit une véritable profanation et appelle les chrétiens fidèles à la prière collective et un chapelet de réparation devant la salle de concert mercredi. De nombreux médias proches de l'extrême droite et des groupes identitaires ont relayé ce message sur les réseaux sociaux, indique le Républicain lorrain. Le conseiller régional du Rassemblement national François Grollet a également lancé sur Facebook un appel au bon sens pour l'un des plus anciens édifices religieux de France évoquant un outrage en pleine Semaine Sainte. Ce qui dérangerait ces catholiques, proches de la ligne intégriste traditionnaliste, c'est l'appartenance revendiquée de l'artiste au mouvement LGBT+. Une contre-manifestation des partis politiques de gauche est déjà prévue même jour à 19h, devant la colonne de Mertens, annonce Ouest France, pour soutenir le chanteur et pluralisme. La salle n'est pourtant pas nouvelle dans le paysage musical local. Cette basilique romane n'a été une église que pendant une courte période, a rappelé le maire de la ville François Grosdidier. L'église a été cédée à la commune en 1946 et est devenue un lieu culturel où des concerts sont régulièrement organisés, soulignent nos confrères.